À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. La chanteuse américaine Maya Azucena s'engage pour les femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, je suis Maya Azucena. Je suis new-yorkaise. Je suis chanteuse et interprète internationale. C'est ma première visite à Genève. Je suis très heureuse d'être ici, surtout en tant qu'invitée pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. If justice had wings, she would sing, cry love in everything. Je suis une rescapée d'une relation violente, ce qui a été pour moi traumatisant. La guérison et ce que j'ai appris lors de cette expérience ont fait que j'ai voulu m'impliquer dans ce domaine. J'ai le privilège d'écrire des chansons qui donnent de l'espoir et du sens à tout ce que nous avons vécu, ce qui nous a blessés ou presque anéantis. Il y a la guérison que beaucoup de femmes vivent et que j'ai vécue. Cette transformation de la douleur en force est importante pour comprendre que vous n'êtes pas seule, que votre histoire est précieuse et que vous avez de la valeur. Cette transformation me motive. Elle me permet d'aider les autres et de m'aider moi-même. Avec le recul, j'encourage les femmes, dès qu'elles comprennent qu'elles sont traitées violemment, à aborder le problème comme si on traitait un cancer. Lorsque vous voyez les toutes premières traces d'une tumeur, vous la faites enlever et vous passez à autre chose. Mais si vous ne faites rien, le cancer se répand de plus en plus et il est plus dur à enlever. Oui, ça peut être difficile de se séparer de quelqu'un que vous pensez aimer. Mais mieux vaut s'y prendre assez tôt, c'est plus facile. Pour toutes les femmes et filles qui se sont libérées de la violence et de la douleur de leur passé, souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul moi qui existe et existera toujours. Votre histoire compte. Et votre lumière a une place dans ce monde.